Bon, Paul, il y avait eu des regrets à Valence-Romont, vous étiez revenu malgré tout avec un point, c'est le même constat ce soir? Satisfaction du point ou regret de ne pas ramener mieux de ce déplacement? Satisfaction, je ne sais pas, enfin oui, parce que comptablement on ramène un point. C'est intéressant toujours quand on se déplace à l'extérieur, on savait que Béziers c'était une belle équipe qui s'était un peu en doute. Mais bon, c'est vrai que la physionomie du match, je pense qu'on peut espérer ramener mieux, quoi. C'est-à-dire que cette pénalité à la fin qui porte un peu préjudiciable, ça veut dire que, voilà, peut-être qu'on peut revenir à 15-15, mais bon, après on joue le match pour le gagner, donc voilà, je pense qu'on dit voilà, il faut assumer ses choix, il n'y a pas de souci, mais bon, c'est vrai que c'est, on peut repartir quand même avec un peu de règles. Un plan en particulier face à ces Biterrois, essayer de les faire douter le maximum possible et de prendre ce soir, ce que vous avez fait? Bien sûr, on savait que c'était une équipe en plein doute. On savait voilà, qu'ils avaient perdu la maison contre Colomiers, qu'à Grenoble aussi, ils ont fait une belle performance, mais bon, ils ratent la coche de peu. Donc on savait que voilà, dans l'engagement, on allait être servi et que si on voulait gagner, il fallait être meilleur qu'eux. Je pense que dans l'engagement aussi, aujourd'hui, on a montré qu'on était présent. Après voilà, c'est vrai que 15-12, il y a toujours des regrets à avoir. Et voilà, quand un match ça se joue à ça aussi peu de détails, c'est vrai qu'on peut, on peut repartir avec des regrets. Ouais, parce que quand vous prenez le score à 12-8, il y a ces deux drops ratés par Dorian, mais si vous enfoncez le coup, je pense que derrière, ouais, ça relève pas. C'est là où je pense qu'on ne fait pas le break, c'est-à-dire que c'est un peu avant l'heure de jeu. Je pense que si on creuse un peu plus l'écart, on aurait pu faire le coup. On n'a pas réussi à le faire. Après, voilà, il ne faut pas enlever que Béziers a fait une belle performance aussi. Ils se sont accrochés, ils se sont envoyés, ils ont fait leur match. Donc voilà, aujourd'hui, c'est comme ça. Il y a encore une grosse entame, comme à Valence, sauf que cette fois-ci, il y a moins de points à la clé. C'est un petit regret de ne pas avoir pu basculer plus positivement après ce gros temps fort pendant 25 minutes. Bien sûr, après voilà, on peut rester ceci qui nous fait mal à la tête, faut pas mentir. C'est-à-dire qu'on s'est accroché, on a réussi à récupérer des ballons. Je pense que là où on a été un peu défaillant, c'est quand on arrivait dans leur camp, on s'emballait un peu trop. On s'est fait gratter, je crois, 2 ou 3 ballons. C'est ce qui a pesé aussi sur la première mi-temps. Et après, même si on repart avec le score, vraiment un score serré à la mi-temps, je pense que voilà, le match là où on peut le regretter, c'est vraiment à l'heure de jeu, où on doit faire le break, on n'arrive pas à le faire. Parfait, merci. C'est bon. Merci.